Salut à tous, je suis Guillaume de GC Néobanque Banque en ligne. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, un tout nouveau contenu, une vidéo vlog auquel nous allons sortir ensemble, faire une petite balade. Nous allons aller dans un magasin où je vais aller faire des courses. Je sors avec la carte nickel et vous allez pouvoir voir la petite sortie auquel je vais vous emmener faire une petite balade ensemble. Voilà, donc avant de commencer, comme à chaque fois, c'est sous le titre de la vidéo, il y a un petit onglet magasin, vous cliquez dessus, vous contribuez pour la chaîne, il y a des articles tels que des t-shirts et des sweats à capuche, des sacs, des tasses, et vous me faites plaisir si vous contribuez. On se retrouve juste après le générique. C'est parti, ciao ciao ciao! Alors voilà, nous revoilà pour la partie vlog, comme je voulais vous faire. Je suis donc arrivé au premier point de passage. Ici, vous y voyez la gare TGV de Belfort-Montbéliard. Et moi, je vais me rendre directement là-bas, où je vais vous montrer là-bas où c'est qu'il y a l'arrêt de bus, où je vais attendre mon bus pour faire le deuxième point de passage, où on se retrouvera pour le premier magasin que je vais effectuer aujourd'hui, où on va faire un petit tour ensemble et où c'est une journée vlog que je vous présente aussi pour ceux qui veulent voir un petit peu le Campanile, le petit hôtel de la jonction Belfort-Montbéliard qui se trouve en Franche-Comté, dans le côté Franche-Comté, Bourgogne-Franche-Comté. Voilà, vous y voyez les arrêts de bus là-bas avec les bus où c'est que les bus vont dans le centre du sud du territoire de Belfort et moi je vais dans le nord du territoire de Belfort. Donc voilà, je me situe là-bas. Donc on se retrouve pour la deuxième partie du vlog juste après. Je vous dis ciao ciao ciao. Et voilà, nous sommes arrivés au Cora. Nous sommes arrivés au premier magasin Petit Cora, comme vous pouvez voir là-bas. Je vais essayer de vous faire un petit scan assez rapide. Voilà, Cora. Et voilà, vous voyez le premier magasin, on va se retrouver à l'intérieur du magasin, on va faire un petit tour ensemble et après on se retrouvera pour le dernier passage du vlog. A tout de suite les amis, tout de suite, tout de suite. Alors nous voici donc dans le magasin ici, comme vous pouvez le voir, nous allons faire nos courses tranquillement ensemble, nous allons marcher ensemble pour faire les courses, là il y a un petit peu de vin, comme vous pouvez le voir ici. Là, on va faire les courses ensemble, je vous ai pris ici la petite scanette ici que vous pouvez voir ici, qui avec lequel je vais scanner les articles pour pouvoir passer en caisse rapide. On appelle ça le scan achat. Donc ici vous voyez un petit magasin, nous allons faire les courses ensemble, nous regardons un petit peu. On va aller dans le rayon livre parce que j'aime bien aller dans le rayon livre de temps à autre. Voilà. Petit rayon livre. Pardon, excusez-moi. Voilà. Donc le rayon livre, c'est que j'aime bien aller dans les rayons livres. Ça c'est le pain, c'est le côté où j'apprécie tout particulièrement et je passe ma journée dans les livres, le livre de la lecture. Surtout que j'aime bien, c'est pas les livres ici comme on peut le voir ici, c'est plutôt les livres de l'autre côté qu'on va les voir. Là c'est plutôt tout ce qui est magazine, mais c'est plutôt les livres qui sont ici, littérature classique, tout ce qui est BD, tout ce qui est ici, voilà. Donc je vous fais le voir ici. Voilà, ici, voilà. Voilà, tout ce qui est livre avec petite série polar. Voilà, tout ce qui est série polar, tout ce qui est ici. C'est un livre où je passerai ma journée ici à pouvoir prendre un livre et à le déguster sans pouvoir m'arrêter. Voilà, ça c'est le petit côté ici. Et si je vous présente ici, voilà. Et si on a les jeux vidéo, c'est que de temps à autre, j'aime bien regarder un petit jeu vidéo, mais c'est pas ici que j'achète mes jeux vidéo. Là, c'est surtout les jeux PS4. C'est le côté où j'aime bien regarder un petit peu. Je les achète plutôt sur le Play Store de PlayStation. Mais côté que j'aime bien aussi, c'est d'aller directement chercher la partie magasin. Voilà, je vous présente un petit peu le magasin. Les articles que j'aime bien regarder aussi quand je fais mes courses. Là, pour passer ici, j'aime bien ici. Voilà, mais c'est pas plutôt les articles là que j'achète tous les jours. Hein. Ne vous inquiétez, pas. Hein. Là, c'est plutôt là, la bière. Là, je vous montre. Hein, je vais essayer de faire court parce qu'il y a des marques. Je ne sais pas si YouTube acceptera les marques, mais je vous ai quand même montré. Là, ici. Mais c'est plutôt ici. C'est où c'est que j'aime bien. Je vais vous montrer ici les machines à laver. Là, machines à laver ici qui sont très bien rangées. Là, petit magasin que j'adore. Là, c'est ici. Voilà, avec les ordinateurs ici.
puisque je vise à m'acheter un petit ordinateur qui coûte 199 €. Voilà, c'est celui-là que je vise à acheter. Voilà, c'est une petite marque, c'est mon prochain achat que je vais faire. Donc voilà. Donc ici, on continue encore la route ici. Voilà. Ici, il y a les smartphones ici, qui sont très très bien rangés, très très bien ici, les reconditionnés. Ça, c'est ce que j'apprécie, c'est qu'ils ont mis les reconditionnés bien en avant, que ce soit la tablette, que ce soit du iPhone 8 à l'iPhone 12. Vous avez toutes les reconditionnés qui sont ici à des prix vraiment très attractifs. Ce que ça intéresse, vous avez des prix à 379 €, 339. Après, vous avez du XR à 259 €. Vous avez du, on va dire, du iPhone X qui n'est plus dispo en mise à jour, mais qui vaut 249 €. Et vous avez l'iPhone à pratiquement 170 €. Voilà. Et là, ici, vous avez toutes les grandes marques qui sont bien rangées. C'est bien détaillé. Vous avez tout ça. Vous avez le Galaxy A15. Le Galaxy A53, nous allons faire prochainement un petit déballage du Galaxy A54, donc qui est là, ici, celui-là, ce que je vous présente ici. Je l'ai à la maison, donc on va faire ce petit déballage, disons, pour la prochaine petite vidéo. Voilà, donc je vous présente encore un petit peu le magasin ici, voilà. On va faire encore quelques pas et après je vous laisserai pour la suite du vlog et on se retrouvera pour le prochain magasin. Et ça sera le dernier, on fera un grand dernier tour. Là, je vous présente ici les petits vélos ici, voilà. Ce que j'apprécie. On va aller chercher déjà ce qu'il me faut ici. Voilà. Marche ici, on fait un petit peu le tour ici. Voilà. Donc il faut que j'aille chercher la nourriture. Voilà, la nourriture pour le chat. Parce que j'ai un chat à la maison. Donc je vais prendre la nourriture ici du chat. Voilà. Voir, je prends cette marque là, Perfect, puisque c'est celle qui est avec des prébiotiques, bons pour les intestins, car mon chat est malade des intestins. Il est malade des intestins et c'est ce qu'il lui faut. Il lui faut avec des prébiotiques naturels. C'est bon pour lui et c'est cela que je prends. Donc je vais scanner avec la scanette. Vous allez voir que je vais scanner avec la scanette. Voilà, si j'y arrive, là je vais scanner la scanette. Voilà, j'ai scanné, comme vous pouvez voir, vous avez entendu le bip. Et voilà, le prix de 2,91 €, il est fait. Je mets ça dans mon panier. Voilà. Et voilà. Donc, je vous montre en gros le magasin. Je ne vais pas tout vous montrer le magasin puisque je vais aller faire mes courses. Et on se retrouve, voilà, pour la prochaine partie du vlog dans le prochain magasin. Je vous dis à tout à l'heure, les amis. Ciao, ciao, ciao. Mes amis, comme vous pouvez le voir, je suis donc arrivé à l'arrêt de bus pour prendre une deuxième fois le transport en commun. Parce qu'il faut savoir que j'utilise beaucoup le transport en commun quand je suis en ville. Donc ici, vous allez voir un petit peu le décor à l'envers du Cora. Là, juste derrière moi, il y a le Cora. Là, je vous le présente ici, Cora. Le magasin Cora, je vais essayer de vous montrer derrière moi. Là. Et là, je vous montre un petit peu l'envers du décor, juste derrière moi. Vous pouvez le voir ici, les petites voitures, le paysage, voilà. Donc une petite journée où on se retrouvera tout à l'heure pour le dernier passage au magasin, ou auquel ce deuxième passage au magasin, nous irons faire un petit tour quasiment du côté de la partie où j'achète tout mon matériel, c'est-à-dire le Leclerc, où c'est qu'il se passe l'informatique, tout ce qui est télévision, etc, etc. Voilà. Nous irons dans le côté que j'adore précisément quand je vais au Leclerc. Voilà. Donc le bus, comme vous allez le voir derrière moi, le transport en commun qui est juste derrière, voilà. Juste derrière là. Qui va, ou que l'on prendra, que je vais prendre tout à l'heure pour rentrer à la maison. Voilà. Donc vous avez pu voir un morceau du magasin que j'ai été faire mes courses juste derrière moi. Et auquel ça s'est très très bien passé. Les courses ont été faites assez rapidement puisque j'avais pas grand chose à faire. J'espère que cette vidéo vous plaira. Je vais d'abord vous demander si vous souhaitez continuer la suite de notre aventure dans ce vlog, de liker, de partager et ne pas oublier non plus de vous abonner. Voilà, et on se retrouve tout à l'heure pour la seconde partie, le second magasin, la seconde partie et dernière partie de cette vidéo. A tout à l'heure, ciao ciao ciao. Donc voilà les chers amis, nous sommes dans le dernier point de ce vlog. Nous sommes arrivés donc au Leclerc à destination du dernier magasin. Donc nous allons rentrer dans ce magasin ici, voilà, nous allons y aller tranquillement ensemble.
Et nous allons faire un petit tour du côté, on va dire, informatique, tout ce qui est informatique. Donc, à l'issue qu'il y a des personnes, je ne filmerai pas, puisque je peux mettre atteinte à la personne. Donc, voilà. Donc, nous en rentrons dans le magasin, dans la petite porte, ici. Voilà, voilà, nous allons aller dans l'espace culture. On va faire un petit tour à l'espace culture, je vous présente un peu ici, voilà le tour. Ici, vous avez les fleurs qui sont juste en face. Les petites fleurs. Ici, vous avez la presse. Vous avez un espace presse où vous pouvez aller chercher tout ce qui est livres, maroquinerie, etc. Le grand magasin Leclerc, ici, que vous voyez. Avec Beauty Success, l'espace voyage. Et nous allons faire un tour à l'espace culturel. Donc nous arrivons ici. L'espace culturel. Achat, vente et occasion. Si vous voulez acheter de la vente et de l'occasion ici, voilà. Donc ici, on va attendre. Mettre les affaires dans le casier. Et nous allons faire un petit tour directement. Comme vous pouvez le voir déjà ici, vous avez tout ce qui est jeux vidéo ici. Et l'espace voyage. Pour acheter des box pour le voyage. Voilà ici. Donc ici, vous avez les casiers. Casier pour mettre les sacs ici. Donc ici, voilà, on se retrouve ici pour regarder les ordinateurs. Voilà, l'espace culturel, je vous le présente ici. Tour de l'espace culturel. Voilà. Alors ici, j'ai regardé ici tout ce qui est ordinateur, parce que j'aime bien regarder les ordinateurs ici. On fait un petit saut ici, voilà. La petite chaise. Ici, c'est tout ce qui est pour iPhone, téléphone ici, voilà. Vous avez ici tout ce qui est ici, tout ce qui est ici internet. Pas mal, les écrans. Le casque qu'il me faut, voilà ici. 24,99. Là ce que vous avez ici. Les écrans d'ordinateur encore ici. Ça c'est les plus haut de gamme. Les plus haut de gamme. Vous avez la télévision. Très belle télévision 4K. C'est une TV 65UR 73, elle fait 164 cm, 639 euros. Elle n'est pas 4K, mais elle fait quand même déjà pas mal. C'est déjà pas mal ici. Ah, voilà la 4K. C'est pas mal, c'est du beau 4K ici. Petit chien. Ah, il y a pas mal de petits chiens. Voilà. Comme d'habitude, on a le cœur de l'info, si vous voulez voir les informations. Voilà, ici vous avez la télévision ici. Et ici vous avez toutes les BD là-bas au fond. Vous avez les jeux vidéo, vous avez les PlayStation qui sont là-bas. Vous avez les informations ici, ici, voilà, vous avez ça ici, la belle petite télé ici. La barre de son. Vous avez encore les livres qui sont juste au-dessus, les petits livres au-dessus. Là vous avez TF1 série film, si vous voulez regarder le petit film, vous pourrez se regarder le Mentaliste. Je fais encore de la publicité, certes. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Donc je vais aller directement me rendre dans le magasin, on y fera un petit tour assez rapidement et ça sera terminé. Une fois que j'aurai fait les petites courses, j'aurai terminé ce vlog pour cette journée. Donc je vous remontre encore un petit peu l'espace télévision, juste parce qu'on est dans l'espace télévision et que c'est très belle... Stupid DJ 41, voilà, ça c'est ce que j'adore aussi. Là, je resterai pas dans les livres parce que, comme je vous ai dit dans le dernier magasin, si je reste dans les livres, je serai toute la journée à lire un livre sans me sortir de ce livre. Voilà. Donc, ici, je vous fais, ici, nous avons les écrans d'occasion, là-bas, tout ce qui est de l'occasion, les petits livres là-bas, voilà. Les PlayStation ici. Je vous montre ici les PlayStation. PlayStation ici, tout le décor. Alors, vous avez plein de jeux ici. Vous avez PlayStation 5, vous avez PlayStation. Celui que je suis en train de faire à la maison, c'est celui-là sur PS4. Il est génial. Vous pouvez le prendre. Il est génial. Il y a de l'action, il y a de l'histoire. Il y a vraiment, 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 vraiment. C'est vraiment la suite de la série. C'est vraiment le top du top. Je peux vous dire, c'est vraiment un jeu. Il faut que vous l'ayez si vous avez une console. Sinon, je joue de temps à autre pour mon ancien travail. Voilà. Je me remets un petit peu en mémoire mon ancien travail, mais ça c'est sur PS4.
5, je l'ai aussi sur PS4. Là ici, tout ce qui est PS4, c'est ici. Voilà. Donc mon domaine se situe ici. Voilà. Domaine ici PS4 avec des jeux différents. C'est joli. Là, il y a des bons jeux ici. On en trouve tout ce que je veux ici. Je viens souvent acheter des jeux ici. Sinon, je les achète sur PlayStation. Voilà, voilà. Donc, le jeu que je voudrais faire, c'est celui-là. Mais il vaut encore 29,90€. Ah ben, je vais l'acheter. C'est le prochain jeu que j'achète. À 29,90€, je l'achète. Voilà. Odyssey. Voilà, c'est le prochain jeu. Je l'ai testé sur PS4. Mirage, il est à 29,90€ aussi. Et voilà, le tout dernier qui est sorti. C'est celui que je convoite. J'ai déjà mis de côté pour me l'acheter. Voilà, voilà. Donc, mes amis, on se retrouve dans le petit magasin juste après, là-bas. Nous allons sortir. Nous allons récupérer le sac que j'ai mis dans le vestiaire. Et je vous dis à tout de suite pour la fin de ce vlog. Donc voilà les amis, nous sommes dans le cœur du magasin ici, nous sommes à l'entrée du magasin. Je vais vous présenter ici sans trop voir un petit peu les gens, voilà, parce qu'il est interdit de filmer les personnes. Voilà. Donc ici je vais vous montrer ici le scan achat ici, avec les petites scanettes, il n'y en a plus beaucoup, donc je ne vais pas en prendre. Là on va aller faire le tour du magasin vite fait ici, voilà, le cœur du magasin Leclerc. Le clair ici avec pas mal de petites choses, les caisses ici, voilà, avec le scan achat, comme vous pouvez voir, un service gratuit. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas le scan achat, qui ont déjà vu ça, c'est la petite scanette que je vous ai montré au magasin Cora. Là, donc on va faire les courses ensemble. Là, on a le cœur de tout ce qui est outillage, voiture, etc. Là, il y a trop de monde ici. Là, je vous montre le monde ici. Là, vous avez ici les peintures, tout ce qui est bricolage. Là. Et ici, vous avez pour les animaux, les petits animaux. Là, vous avez ici, quasiment ici, que je vais acheter. Donc, moi, je fais des économies. Comme j'ai une carte Leclerc, je prends tout ce qui est, on va dire, il y a du prix. Mais moi, une simple litière comme celle-ci, ça coûte 1,07€. On est quitte de mettre pour un pack qui vaut 5 litres, qui fait 3,20€. Si vous regardez 1,80€, vous avez 5 litres. Et là, vous avez 7 litres pour 1,07€. Vous voyez le décalage? 1,07€ les 7 litres. Si je vous montre 1,07€ les 7 litres. Et 1,80€, je vous montre, c'est les sacs qui sont là à 5 litres. Alors, vous voyez, il y a 7 litres. Il y a une différence. Donc moi, quand je fais mes courses, je fais toujours le calcul de voir un petit peu le poids. Parce qu'il faut regarder la contenance du produit. Si vous prenez un produit qui fait 5 litres, vous le payez 3,20€ ou 3,60€, comme ici. Et que vous prenez un produit qui fait 5 litres ici, ou 3 litres ici, et que vous le payez 6,46€, il faut faire la déduction. Avant de se dire, j'achète. Et comme ça, vous faites des économies sur votre portefeuille. Portefeuille, voilà. Donc moi je vais prendre ça, je vais prendre un sac ici, voilà ce sac là que vous voyez ici, la litière ici, voilà. Donc j'ai déjà pris la nourriture pour le chat comme je vous ai montré au magasin Cora. Voilà. Ici je vais vous faire un petit tour de deux, trois rayons, on va pas tout faire les rayons hein, non plus parce qu'il y a un petit peu trop de monde et puis comme c'est interdit de filmer les personnes, donc je ne filmerai pas les personnes. Donc ici vous avez les tisanes, ici voilà. Vous avez tout ce qui est café. Là, vous avez les bonbons. Là, je donne envie de manger. Hein. Je sais, je vous donne envie. Vous avez les pâtes. Si vous avez de l'eau chez vous, vous pouvez déjà préparer. J'arrive avec une paquet de pâtes. Non, je rigole. Voilà, voilà. Donc ici, on a tout ce qui est yaourt, dessert. Là, ici, on est arrivé dans les rayons où je vais aller. Là, ici, vous avez le lait. Vous avez tout ce qui est crèmerie. Ce qui est jus de fruits, vous avez le fromage ici, voilà. Là ici vous avez tout ce qui est glace, on va arriver sur les surgelés. Là, tout ce que ça c'est tout ce qui n'est pas bon pour notre santé qu'ils nous mettent ici, voilà, tout ce qui n'est pas bon pour la santé. Vous avez le champomis, vous avez ici, voilà. Je vous ferai un grand tour de ce magasin assez rapidement puisque je vais terminer mes courses et après je vous laisserai pour faire votre côté à vous-même et je vous dis à bientôt. Voilà, voilà, voilà.
Encore une dernière. Ah, il y a plus ce que je recherche. Il y a plus ce que je recherche. Franchement, aujourd'hui, c'est vide. Le rayon, il est vide. Donc, il va falloir que je me débrouille avec autre chose pour pouvoir faire. Donc, là, il y a 1,05€, 400 grammes. Ouais, ça va aller très très vite. Là, il n'y a plus vraiment ce que je désire. Donc, il va falloir que je prenne ce que je peux trouver. Voilà. Là, il faudra que je prenne 3,60. Là, ça. Voilà, qu'on se fasse avec ça. Voilà, voilà. À moins que je trouve ailleurs le pain que je désire. À moins qu'ils le mettent après, je ne sais pas. 0,60. Voilà. Je vous fais un grand tour du magasin. Vous voyez un gros ici. Voilà. Et voilà. Donc, les amis. J'espère que ce live vous aura été ce live direct, vlog de cette journée balade. Ou c'est un vlog où c'est ce que je fais mes courses. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. Donc je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée. Je vous demande comme à chaque fois de liker, de mettre un petit partage, les réseaux sociaux, un petit abonnement, un petit like. Et puis je vous dis ciao 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 les amis.